Ah, la borne pour les camping-cars, vidanger les toilettes, un robinet pour remplir aussi. De l'autre côté, il y a des poubelles, là, de côté-là. Pareil, vidange eau usée. C'est pour les toilettes, là. Aussi, vous voyez, les camping-cars, ils arrivent, hein. Il y en a là-haut. Il y en a une, deux, trois. Il y en a un qui est arrivé aussi. Oh, il est bien noté. Après, je sais pas quel village. Vous voyez, ça c'est la nationale 7, là-haut au fond, qui va vers le sud, hein, vers Pont-Saint-Esprit, un truc comme ça là. Et là, vous avez la nationale qui monte à Montélimar dans le sens là. On va faire le tour. Il y a les toilettes, hommes, femmes, de côté, avec un robinet aussi, devant. Voilà. Oh, il fait pas chaud, hein. Je sais pas si c'est le fait de monter ou quoi, il y a des tables aussi. Purée, il faisait meilleur dans le sud. Avec Morse, ce matin, j'avais moins froid que maintenant. Et en plus, il y a du vent. Voilà, restez au chaud. Et on va regarder le journal à 13 h. Ça souffle bien, c'est frais. Vous voyez là-haut, baraque à frites, sandwich, camping-car et son village. On va boire l'apéro, en attendant, on va se réchauffer. Un petit rouge, un petit verre de rouge. Ouais, on peut même y a un chemin là pour promener les chiens, ça c'est bien. Le jeune il a été prouté. Tu dois fermer, non? Quoi, tu m'as appelé là? Non. Sur un balai, c'est dans mon idée. Aïe aïe aïe, alors que le comte de Champignac. On va fermer la porte parce que j'ai pas chaud. Ils n'avaient pas du tout les affaires de JC. Regardez Jean le journal. Au... Ah, et le samedi aussi. Samedi, pas trop vous passez sur rouge. Mec, il est. Tchin-tchin, on va. Ah, il est frais. Bon, c'est la beauté que j'avais encore dans. Avec le mort, là, j'ai pas fini. Ça fait 2-3 jours. Là, on voit que je n'ai pas un alto. Hein. Ouais, au moins 2 jours. Mais elle est bien fraîche, là, c'est bien. J'aime bien le vin frais. Un tout petit peu, parce que faut que je roule là. Après, allez, trois de verre avec des chips, du diesel. On va faire ça en attendant que le repas se fasse. Allez, bon appétit, tchin tchin. Bon app à tous si vous passez à table. Moi, table, alors tu sais, des steaks au poulet, je crois. La volaille là avec des pommes de terre. On s'est arrêté 2 heures, même plus que 2 heures. On s'est arrêté à midi. Là, il est presque 3 heures. 3 heures d'arrêté sur un parc simple parking. Là, bon, ben, là on va en direction de Valence. On va, moi je vais me reposer. Elle va conduire, elle va passer Lyon. Et on verra. On va déjà rouler tout l'après-midi et on verra ce soir où ce qu'on est. Où ce qu'on s'arrêtera. Il faut que je regarde une aire de camping-car. Voilà. Ou sinon à Tournus, que je connais.
je passe là, ouais. Juste, mais ça va, ça va aller. Bon, alors maintenant, c'est. Oh non, on n'a pas passé encore. Il faut que je descende sur un rond-point, là. Il est 14h ou 15h, oh la vache, on a fait une bonne pause à midi. Là, on va rouler l'après-midi, toute l'après-midi. Mais sinon, on va pas passer Lyon. Hein. Passer Lyon. Il reste 200 km, même pas 200 km. J'ai vu le panneau avant 182. Je l'ai vu un certain temps, il doit avoir 170. Absolument passer Lyon. Là, alors, on est déjà en Ardèche, à Donzère. Alors, Nîmes, Orange, ça c'est tout ce qu'on vient, National 7. Bon, bientôt, on redescend, hein, dès qu'on a 8 jours, on redescend. Mais malheureusement, maintenant, il faut monter. C'est là, montez les mains. Ah, c'est monter les mains. Ouais, c'est... Oh, il doit pas rester grand chose à hein, monter les mains. Il reste. Alors, voilà, A7, il reste 7 km, 14 km. Bon, il est temps, hein. C'est un certain temps qu'on est en train de rouler pour un. Aller sur Montélimar, mais bon, avec les ronds, ouais, toutes les pointes et les villages et tout. Mais non, on va y aller. Le chef de l'État demande aussi aux distributeurs un effort. Oui, ça va augmenter encore les prix. Emmanuel Macron, et c'est comme là, ils étaient en train de discuter au Leclerc, quand je me suis arrêté. Les prix descendent vraiment. C'est en train de parler ça. Alors, c'est au mois de mars, ils voient rouge et ça va encore augmenter. Il a demandé au chef de l'État d'écouter les rapports. Ça va rester comme ça. En refusant d'écouter lui, le président. C'est incroyable. Vous êtes la démonstration de violence civique, lui a répondu Emmanuel Macron. Le même les salaires, ils suivent pas. Des militantes a d'ailleurs brièvement perturbé les Césars hier soir, poussant Canal+ à couper pendant quelques minutes la diffusion de la cérémonie. Emmanuel Macron, qui a aussi annoncé une visite en Chine en avril pour évoquer la guerre en Ukraine. Pékin qui souffle le chaud et le froid dans ce dossier, après avoir appelé Kiev et Moscou à des pourparlers. On arrive à Vienne, Lyon, c'est à la moitié de la France. C'est à peu près, hein, c'est vrai. On est descendu tout bas là. Après on était encore en Camargue, on n'était pas tout en bas de la France. On n'est pas d'Espagne. Et je pense qu'elle vivra dans le souvenir de son ami qui et de cette lettre si belle. Toutes les lettres d'ailleurs sont belles. Et en général, elle s'adresse à. Le jour qu'on a le temps, il faudrait s'arrêter là, à Vienne. Traverser tout le pont là, aller vers le centre. Là, il y avait un parking. C'est-à-dire que quand Torres revient d'Union soviétique, le Parti communiste est vraiment français, patriote, uniquement patriote. Donc on n'allait pas mettre en avant ce qu'avaient fait ces étrangers. Donc je crois que ça explique le silence. Mais donc aucun historien aujourd'hui qui a travaillé sur ces questions-là, je pense au travail de Berdière, au travail de Liègre, au travail de la sans avoir pas d'autoroute, la nationale va tomber sur l'autoroute. Tu vas à Lyon. Et en règle générale, on minore. J'espère que maintenant qu'on a pris l'autoroute, on n'a pas de bouchon. Parce que souvent, on prend l'autoroute et puis tac, je tombe sur le bouchon. Bon, pour l'instant, on est loin de Lyon. Une dizaine de jours après, on a découvert que l'heure est 18h05. On va arriver au bon moment, hein, à tourner sur 19h. On va passer par. Si on passe par le périphérique, et on se rend. On peut faire le périphérique. Bouchon, écoutez, la sensation est à s'imposer comme le troisième homme de cette compagnie présidentielle. Ah, pour moi, comme d'habitude. Là, normalement, on pourrait pouvoir prendre par là.
quand tout le monde. C'est le périph. J'espère que ça va aller. Moi, je prends jamais le. Je passe toujours par le centre de Lyon, par le quai des Fourvières, mais. Oh, Strasbourg. La météo.